Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, et moi je vais très très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, je crois que celle-ci c'est la première fois que je vais la faire. Mais attendez de voir. Alors d'abord on va mettre un look simple, basique, et je vais vous expliquer comment on va procéder. Alors on va essayer de trouver un t-shirt simple, juste un haut quoi, simple, un bas simple. Pour partir sur une base un minimum simpliste, une coupe de cheveux, je suis même pas obligée je crois de mettre une coupe, on n'est pas obligé hein. Attendez, si je mets juste comme ça, voilà, bon les gens ils vont se dire mais pourquoi elle a pas de cheveux, elle se fait pirater, mais pas du tout, c'est pour la vidéo. Alors, il y a un nouveau thème, enfin bref, le jour où sortira la vidéo, le thème, peut-être que ça fera déjà plusieurs jours qu'il existera, mais au moment où je filme, on est encore jeudi. Alors on va dans le shopping des vêtements, je vais vérifier le nombre de pages qu'il y a pour pouvoir faire en fait un tirage au sort aléatoire de la page. Donc en général il y a 3 ou 4 pages, alors là ça fait 3, 4, 5, non ok il y a 4 pages. Donc là on va d'abord tirer entre la page 1 et 4 et on lance et c'est la page numéro 3, donc attendez on revient. Alors, la page numéro 3. Donc moi, je découvre le thème vraiment, donc je ne sais pas ce que c'est. Donc, Gone Camping. Ok, c'est un thème de camping. Une fois, j'ai déjà fait du camping et j'ai détesté ça. Ma tante a failli s'envoler. Il y avait un ouragan. Et à ce moment-là, mes parents, ils n'avaient pas encore divorcé. Donc, j'étais assez petite. On était en vacances tous ensemble en Pologne. Il y avait mon frère et tous les quatre, on tenait les barres de la tente pour pas qu'elle s'envole. Voilà, super anecdote. Attendez. Et du coup, il y a combien 3, 6, 9. Ok, il y a 9 objets par page. Et en fait, il va falloir que je tire jusqu'à me faire un look à peu près correct. Donc là, on a tiré le numéro 5. Donc c'est ça. Donc c'est un bracelet. Donc j'ai le droit de choisir quand même la couleur. Mais le problème, c'est que vu que c'est le premier objet du. Du look, que du coup, je ne sais pas quoi mettre. Voilà. C'est super, on adore. Donc ensuite, on remet entre une page 1 et 4. Donc c'est le 2 et on va directement piocher l'objet. C'est le, okay, c'est le premier objet de la deuxième page. Donc on a déjà le haut. Le haut, ça donne ça. Pour l'instant, je pense que je vais laisser la couleur. On verra après. Ensuite, on remet 1 à 4. Ok, on est toujours sur la page numéro 2. Et comme objet, on tire le troisième. Donc, ce sont les cheveux. Ok, donc ce sera ça, les cheveux qui ont... Alors, j'aurais préféré que ce soit les cheveux de la page numéro 3. Donc, c'était cela. Ça aurait été tellement mieux pour le camping. Mais bon, bref, voilà. Bon, au pire, ça aurait pu tomber aussi sur des objets de diamants. Et j'aurais joué le jeu. Mais enfin, bon. Il nous manque encore un bas et des chaussures. Bah, écoutez, c'est parti. On recommence. Donc là, c'est toujours le... Enfin, c'est la page numéro 3. Et c'est l'objet 5. Ben, on refait parce que... 8. Parce qu'on avait déjà... C'était ça. Voilà, je me rappelais, c'est le bracelet, on l'a déjà. Le 8, c'est le haut là. Donc non, puisqu'on a déjà un haut, il nous manque juste un bas. Donc là, voilà, ça va être ça qui a été un petit peu chiant. C'est de retomber sur des trucs qu'on n'a pas forcément besoin. Donc c'est la page 1. Donc on n'a pas encore été à la page 1. Et c'est l'objet numéro 8 sur la page 1. Donc normalement, c'est celui qui est ici. Donc c'est nouveau un haut. Et bah dis donc, il nous faut un bas. Est-ce qu'il y a des chaussures au moins? Parce que bon, s'il n'y a qu'une seule paire de chaussures, on n'a pas trop le choix en fait. Ok. Il y a deux paires de... Trois... Ah oui, il y a ça aussi. Trois paires de chaussures en tout. Faut tomber dessus. Et j'espère déjà tomber sur le bas, ce serait sympathique. Alors on recommence. Donc c'est la page 1. Et ce sera... Hop. L'objet numéro 2. Et c'est encore un haut. Oh my god. Je sais pas si mon idée était bien, hein, honnêtement. Hein. Donc là, c'est la page 1 toujours. Et hop, c'est le 7. Donc c'est ça, c'est toujours un haut. Franchement, en plus, on a une chance sur 3, voire sur 4, de tomber sur un pantalon sur cette page-là. Ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de le faire. Mais genre, vous savez quoi? On va mémoriser les bas qu'il y a. Il y en a là, 4, ok. Mais du coup, on n'aura que les nouveaux, mais bon. Ok, il y a les 4, 5, jusqu'ici. Voilà, donc on va tirer au sort jusqu'à 5, directement. Hop, et c'est le numéro 3, donc c'est ça. Voilà, donc ça, c'est le pantalon qu'on va prendre.
Et pour les chaussures, on avait vu qu'il y avait ça et les sortes de bouées là. De, je ne sais. C'est pas des bouées. Oh, c'est. Bah attendez, au pire, on fait ça directement, mais à partir de là. Donc, on va dire que. On va dire que là, c'est les chaussures numéro 1. Ça, c'est le numéro 2 ici. Et ça, c'est le numéro 3. Voilà, on va faire un tirage sur 3 objets. 1, 2, 3, c'est parti. Et du coup, c'est les numéros 1. Numéro 1, c'était sur la page 3. Donc, c'est ceux-là. Bon, ça va, ils vont bien avec le look. Donc, je suis assez contente. Maintenant, au niveau des accessoires, est-ce qu'on peut rajouter plus d'accessoires ou est-ce qu'on reste comme ça? Parce qu'on a déjà un bracelet. Est-ce que ce serait judicieux de rajouter quelque chose ou pas? On va aller voir ça. Ah, ça, c'est la même coupe, mais sans les fleurs. D'accord. Donc là, au niveau des accessoires, il n'y a pas. Là, il y a le bracelet. Là, il y a... ouais, non, franchement, pour le peu d'accessoires qu'il y a, je pense que ça sert à rien. À la limite, ça aurait été bien. À la limite, ce qu'on fait, c'est on fait le numéro 1 pour les boucles d'oreilles. Numéro 2 pour les jumelles. Et numéro 3 pour le sorte de sac banane. On va appeler ça comme ça. Ou, attendez, parce qu'il y a aussi la casquette qu'on peut avoir. Ou le numéro 4 pour la casquette. C'est comme ça, on est d'accord. Là, on va mettre 4 et on lance. Et c'est le numéro 2. Donc le numéro 2, normalement, c'est les jumelles. Ok, donc on a le look complet. Franchement, il est sympa. Maintenant, est-ce qu'on peut changer les couleurs à partir du panier? Ça, je sais pas. Si, on peut. Alors, on va commencer par le haut. Comme ça, on aura une idée. Je sais pas si le look, il... Franchement, non, ça va, il est cool. Il est cool. On aurait pu faire pire. Bon, on aurait pu faire mieux, forcément. Mais on aurait pu faire pire. Alors. Vu que c'est quand même un thème camping, j'ai envie de rester dans des couleurs camping. Donc, soit partir sur du vert, soit d'ailleurs prendre le haut en rose, le bas en vert, ça fait quand même joli. J'aime bien. Mais peut-être que j'abuse un petit peu. Jaune, non. Ouais, quoique jaune, j'aime bien aussi. Hein. Si on laisse ça en blanc, et ça, est-ce qu'on peut mettre genre. Non. Non, on laisse ça et peut-être ça en jaune. Non, franchement, en blanc, c'est ce qui allait mieux. On va laisser en blanc avec le noir. Et tatata, bah pour les cheveux, bah moi j'aime bien la couleur de base, mais bon, on va changer sinon c'est pas marrant. Et merci beaucoup à Tigresse Terreur pour la salutation. Je te fais un très gros bisou. Tu vas te dire, mais pourquoi t'es chaud, meuf? Je ne sais pas, pour la vidéo. En tout cas, merci beaucoup à toi. Je te fais un très très gros bisou. Merci beaucoup. Merci, merci. Tu vas te dire, mais elle se fait pirater. Mais pourquoi se fait-elle donc pirater? Alors pour les cheveux, rose, pourquoi pas, ça irait peut-être bien. On va voir. Ah, avec du violet. Bah oui, parce que c'est ma couleur actuelle en plus. Je me suis refait les cheveux en rose-violet. Et pour des fleurs, peut-être des fleurs blanches. Ça irait bien les fleurs blanches. Et ça, je sais pas moi, en jaune, comme des vraies fleurs. Ou en rose. Ouais, ça passe comme ça. Bon, après, on est en train de complètement partir dans une direction différente de ce que je voulais à la base. Mais bon, pourquoi pas. Ah bah, on va du coup mettre un haut rose. Ouais. Et le pantalon, du coup, on va prendre un pantalon violet. Oh mon dieu, c'est pas du tout ce qui était prévu à la base. Mais j'aime bien. J'aime bien la tournure que prend ce look, finalement. Alors, pour le bracelet, je pense qu'on va partir sur du noir pour qu'il se voit, parce que sinon, il va pas se voir. Pour les chaussures, rose, je propose du rose. Je sais pas, il fait un peu peut-être trop foncé, non? Ou des chaussures blanches, ou des chaussures noires, peut-être. Bah tiens, si je mets les chaussures blanches et le bracelet en blanc, ça pourrait mieux le faire. Ouais, ouais, je total d'accord. Total ok. Hein. Pour la couleur des jumelles, on va mettre des jumelles blanches. Peut-être grise un petit peu. Non, blanche. Là, c'est quoi?
Et ça, on va mettre en noir. Et ça, on va laisser en noir. Je suis pas absolument d'accord avec cette couleur. On va peut-être les laisser en noir finalement. Et ça, on met du rose. Ouais, je préfère comme ça déjà. Et ça, on va mettre un sort de gris. Eh bien, écoutez, moi, je suis plutôt contente. On va tout acheter, bien naturellement. Boum! Qu'est-ce que vous en pensez de mon nouveau look? Et d'ailleurs, tiens, on va peut-être créer le look. C'est Gone Camping. On va créer le look. Alors, look. Et ici, on va marquer créer un nouveau look. Voilà. On va faire hop, hop. On met OK. Et on va marquer défi aléatoire. Camping, voilà. Défi aléatoire camping. Comme ça, les gens, ils verront bien que ce look, je l'ai créé aléatoirement, quand même. Bon, la couleur n'a pas été aléatoire, mais ce qui a été choisi comme, enfin, comme vêtement, comme accessoire, comme cheveux, etc. Par contre, ça, oui, ça a été complètement aléatoire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, j'essaierai de ne pas oublier de vous mettre le lien du tirage, du site de tirage. Et je vous invite du coup à faire pareil. J'avais déjà eu la dernière fois pour les autres défis aléatoires, parce que j'en ai fait deux ou trois en tout, deux je crois. Des photos sur Instagram de personnes qui avaient reproduit un défi aléatoire, c'était assez rigolo d'ailleurs. Eh bien écoutez, moi sur ce je vais vous laisser, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, un prochain live, ciao ciao.